Mais c'est dur de faire sais pourquoi, des dégagements je sais comme pourquoi ça. je l'ai mis trop loin. J'ai mis du naine Ouais, c'est dans bien mon fait pied. cette passe Sérieux? par-dessus. Un ballon magnifiquement écarté là-dessus. Est-ce que j'ai mis du naine? Ouais, bon pressing. La frappe, ça part bien. C'est bien joué. Oui, le bon sauvetage. C'est le truc que je déteste. L'avantage sur cette incursion. Ouais. Oui, Yanis. Ah, mais je suis parti. Mais non, finalement, ça n'ira pas plus. Vas-y, Kylian. Ah, il prend sa chance de loin. Non, mais je change de mien, genre des... Comme... Tu vois, le tir que t'as tiré, c'est pas le bon côté de l'extérieur. Mais genre, il y a des... Y a la grosse intervention, ça, là. Pas le tir. Ouais, c'est contré, bonne défense. Après les extérieurs le tir loin du droit, c'est et mieux, encore une tentative contrée à droite, mais non, tu vas des fois en lucarne droite, c'est un mais je voulais pas faire une enroulée, c'est un peu rare. Je voulais pas faire une enroulée, enfin une extérieure, je veux dire. Après, je sais pas si j'ai plus d'expérience que toi au gardien. Ah, bon précis, ballon récupéré. Bah, t'en as sûrement plus, mais après, pour un joueur que. Ah, il faut bien que je négocier ce dire. Ballon. Après, moi, ça fait pas longtemps que je suis gardien. Ah, la frappe part plutôt bien. Là, tu verras après. Et au final, c'est un ballon pour le gardien. Je l'avais prédit de partir avant, connard. Ah, mais moi, je avant. Quand on voit ça, on est déçu. Frustré même, parce que le football, c'est le désir d'étonner. Et aussi le désir de recevoir. Là, il n'y a que de la frustration dans cette rencontre. Ouais, il faut commencer par récupérer le ballon. Ouais, je te la centrer. Garde, pourquoi t'as arrêté ta course? Ah, parce qu'après j'allais être hors jeu. Ben non, je te l'aurais centré. Ah non, c'est contré. L'occasion de prendre la balle. Ouais, c'est toujours plus ton goal. Ton goal, il a plongé quand il était dehors. Corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Tu l'as pas. Putain. Le ballon est récupéré. Au calme. Oh, le réflexe sur ce ballon. Qui est Xavi, il allait tirer à gauche, à ma gauche. Un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est dévié et c'est un corner selon l'arbitre. Oh, la bonne frappe! Oh, le sauvetage miraculeux! Oh là là, comme ça, ça m'intéresse. Ça y est, la première période arrive à son terme. Là, vous savez, j'ai mangé un but bêtement, mais heureusement, il y avait un défenseur. Un gardien Dembélé. Il y a des chances qu'après je quitte, mais pour l'instant je rêve. Le coup d'envoi donc de cette seconde période. Enfin, tu veux me trouver comment gardien dans ce match? À savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Merci. Merde, il y a eu un commentaire. Salut. Je suis là les gars. Salut les gars. Le but est prendre l'avantage. Non. Voilà, ça c'est un bon centre. Le goal il est bon, hein. Là sans trop de problèmes. Moi? Ouais. Ouais, t'inquiète, merci. Hein. Après,
Après, je joue depuis FIFA 22, donc j'ai des expériences quand même. Oh ouais, t'as l'expérience. Ouais, par contre, voilà, une bonne défense. C'est la tête, ça. Il faut qu'on revoie ça dans ce jeu. Hein. Ce qui me fait chier, c'est que, les gars, je viens vite fait, c'est logique à ce que je dirais. Tu vois, Mini. Je suis dégoûté qu'il soit trop mal fait, alors que dans la vraie vie, il est grave chaud. Ah, le corner bien tiré. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ah, ballon gagné sur ce bon duel. Et voilà, tranquille. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Non, désolé, excusez-moi, je voulais tacler et ça a frappé. Au calme. Par contre, quand le mec il a mis un tir à rater, récupéré rien, par l'adversaire. Au début, je pensais j'allais faire une erreur, je l'ai arrêté. Le lob, le petit ballon en rupture. Là, j'ai avancé le gardien comme ça. C'était risqué, mais au final, c'est le geste qu'il fallait faire. Non, depuis quand ça passe pas comme par hasard quand je prévois tout vous. C'est un match effervescent. Ouais. Le chien qu'il a fait après là. Pour prendre le ballon. Quel non, ça va, c'est des bonnes techniques de gardien. Ouais, les bots ils sont trop game. Dernière minute de la rencontre. Ah, puis il s'est fait pire, Georges. Avec le centre vers le deuxième poteau. Ah, le danger est écarté. Des mecs du 7-7. Oh là là, la passe est complètement ratée. Enfin, je crois. Du coup, je l'ai niqué. Ballon pour Schmitt. Ouais, je nique ta mais putain! Possédé du ballon. J'étais celle à droite. Voilà, tu vois. Fais ce que tu veux, fais ce qui te semble mieux. Ouais, je pense que t'allais rester, mais bon. Ça y est, frère, j'ai pété ma manette. Oh non, ça me casse les couilles à me faire niquer comme ça dans ce jeu. Tu payes 70€ pour que le jeu soit pas réaliste. Séquence de passe dans le camp adverse et le gardien se détend bien. Heureusement, c'est le bénédicteur. Le corner. Oh. Allez, hop, c'est dégagé. On prend pas de risque. Mais va dessus, connard. Après, les corners, c'est un peu mes points faibles. Pourquoi pas une occasion à venir là. Mais c'est le point faible de tous les gardiens, vraiment. Le corner, c'est pire. Sur toutes les têtes, tu t'y attends pas. Hein. Ouais. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Dégueulasse. Allez, belle. Ouais, bien joué, le bon mouvement. La bite de ma mère, je sais pas ce qu'ils font les bottes. Le ballon est maintenant libéré. Pourquoi il est seul? Pourquoi il est seul? Pourquoi il est seul? Voilà le goal! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face à face. Tu la veux, tu l'auras pas. Tu me trouves bon, Kylian, quand même. Ouais, mais t'aurais dû faire la fin d'elle là. Moi, il aurait peut-être un. Dans tous ces arrêts, le goal, il aurait. Au gardien, il aurait arrêté. Et la fin va être excitante. Plus de doute, d'hésitation. Après, il tire sur les côtés. La merde, j'arrive à des plongeons bizarres. Oh non. Hey Yanis, au goal, je suis invincible, frère. Je l'ai fait au camp. Extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes incroyable. À jouer. Le suspense est garanti. Ah les gars, franchement, on est bon nous quatre. Hein. L'équipe se propulse en attaque pour égaliser. La balle qui a pris. Il y a rien à faire, il y a rien à changer dans l'équipe. Hein. Assez bêtement gâché. Ouais, parce qu'il y a cette distance. Gâchement, je vois ça. La frappe est contrée.
Ouais, pourquoi je dis tacler, il frappe. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Ah non, dommage, pas très bien donné ce ballon en profondeur. Eh frère, ça m'énerve. Moi, on a essayé d'ouvrir la porte. Tiens. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Un papa. Aïe, 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 ballon perdu. Papa. Papa. Cette occasion est hyper importante. C'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score. Et c'est pour le gardien. Aucun problème sur ce ballon. Voilà, c'est un score. On a gagné, bien joué, les gars. Minutes de temps additionnel. De loin. Vas-y, prochain match. Je reste gardien, Kylian, ou pas? Ouais, prochain match. Vas-y, ça va. Carotte, ça te dérange pas? Mais prochain match, on m'est quitté. Prochain match. Vas-y. Mais c'est là. Yanis, c'est Viara. Pas besoin, t'inquiète. Ah, Yanis. Pas besoin, t'inquiète. Tu viens ou pas? Je vais dire des phrases compréhensibles à chaque Ingra pour voir sa réaction. La fin est magique. Non, ça pas besoin. Non, non, mais là, en maillot noir, Kylian. Ah bah, vas-y, on laisse comme ça. Hein? Les gars, voici ton putain, Brian. Bon, si j'échec, je pense que tu es au courant. Bah, prochain match, c'est bien, non? Ah, Yanis, je suis dit, mais en fait, mec, je sais pas si tu comprends, Yanis. C'est que tu sais pourquoi je t'ai pas dit de venir, parce que après, tu vas faire la gueule parce qu'il y a plus de passe PU. Eh, Kylian, je suis dit, c'est quoi mon point faible, le gardien? Oui, allez, c'est bon, tu feras mieux seul avec toi, là. Ouais, si, les PES, c'est galère, arrêtez. Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors, donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar da Fonseca et moi-même, Benjamin da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. Depuis ce matin, on est impatients. Ah ouais, le gardien se détend bien. Oh là là, quel arrêt. Ils sont pas mieux. Ils ont que des grands, c'est grave. Ah. J'espère l'arrêter, hein, ou... C'est bien parti pour ce corner. Ouais, bien joué. J'ai pas fait de peine. Défensive. Oh oui, bien joué. Vas-y, Kylian. Carole, Carole. Vas-y, fais honneur à notre équipe. Oui, la belle incursion là. Quelle intervention. Non. Hyper importante. En vrai, si t'aurais eu la vision du jeu, t'aurais pu faire la passe au jaune. Mais en fait, c'est ce que je voulais faire. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Mais en fait, j'étais stressé parce que vous voyez plus qu'il y avait le goal, je savais pas quoi faire. Vous voyez, des fois, c'est stressant quoi. Ah ouais. Après, je vais tester le gardien, ça vous dérange? En vrai, de préférence, je te préfère aller en attaque. Et le ballon récupéré. Ok. Désolé, hein, mais moi, non, calme. Un bon décalage sur ce ballon. Oh non, depuis quand? Frère, je comprends pas. Ta faute, elle a été contrée là. Non, le pote, il est à 20 mètres de moi, il arrive à contrer ça, mon pote. Ouais, j'ai les poules jaunes. Ça me casse les couilles, ce jeu de merde, putain. Déjà, ils ont les couilles dans le jeu, mais pas dans la vraie vie. Le goal, tu l'arrêtes. Oh, la frappe. Oh là, mon petit. Et le gardien se déploie bien sur ce ballon. Pour l'instant, c'est les deux tirs. Ah, le corner, bien tiré. La défense a le ballon. Non, non, parlez-vous. Je l'ai pas. Ah, si. Oh, je vais essayer de la faire, elle est incroyable. Elle balle au pied, toujours dans le camp adverse. Oh. Une occasion pour mener. Mais c'est quoi ce poids? T'as vu? Mais ne redescend pas assez vite, malheureusement. Compare à ça, la vie de ma mère, cette manette, frère, elle va finir sur l'autoroute.
Elle va partir ranger mon pote, elle va rien comprendre. Vidal. La défense est battue. Et allez, PES. Tu vois, je te l'avais dit, tu vois, je te l'avais dit, putain, le goal voilà. Oh, j'ai arrêté la PES, frère. C'est un miracle de parvenir à détourner le danger. Putain, non, Marshall, là. Allez. Je suis trop nul, frère. C'est un corner bien joué, bien frappé. Oui, bien sûr, et le Père Noël, il existe pour faire ça. Le ballon circule bien. Dalle. Donc, sa chance de loin, pourquoi pas, mais il faut évidemment cadrer son ballon. Cadrer non. Tout en conservant la même puissance. Salut, tu PS4 frérot. Ah, ça va pas du tout cette passe. Si, si j'aurais quitté le club, très triste. Je joue PS4. Petit crochet, il revient à l'intérieur. Et le tir part bien. Mais oui, bien joué, Omar. Ok, ok. Merci. Là, je suis réveillé cette fois. Le corner. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Très bon timing sur cette interception. Les adversaires, ils ont trop le seum. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ah, il y avait le bon angle. T'as vu J'ai plus de chance que toi en stade, je crois, mais j'ai plus de chance. Là, bon. J'ai 92 dans le jeu. Je tente ça, ça rentre jamais, frère. Ça casse la tête à la fin. Mais Omar, touche à venir. Ouais. Dans la taille, t'as mis 2 mètres. Bon. Non, j'ai mis 1m93. Moi, j'ai mis 2 mètres pour 75 kilos. Ah, ok. Et l'attaque se poursuit. Ouais, j'avais une bonne séquence de jeu. Oh, la bonne frappe. Oh là là. On va avoir maximum 1m93 pour bien plonger. Ah, ok, si tu dépasses il y a 1m93, bah t'auras du mal à plonger, je crois. Très bonne intervention, sans faute. Ouais, ouais. Peut-être que j'avais déjà mis d'avant, tu peux jouer maintenant. Mais t'as vu? Oh non, je vais pleurer. Oh non, je vais pleurer. Oh, j'étais le démon dans la manette, quoi. Mais je sais même pas, t'as vu? C'est Yanis qui m'a possédé. Yanis, il m'a marabouté avant le match. Non, t'es au courant que le... Vous êtes au courant que le frère de Pogba, il est en prison? Pourquoi Mbappé il est dans ce truc là? Qu'est-ce qu'il a fait, Miskin? Il n'a rien à voir dans ce truc. Ouais, il est dans toutes les histoires, Mbappé. Frère, Mbappé il a rien demandé pour être dans ce truc. Frère, déjà c'est l'affaire Pogba et comparé à ça, il y a Mbappé à l'intérieur. Frère, alors Mbappé il a pas marché, il est encore fort, Mbappé. Ouais, non, mais en plus, c'est pas vrai, il a pas appelé Marabout. Il a appelé Maraboutage pour ses blessures. Bien joué, bien présent à la tombée. Hein? Il a payé un marabout pour ses blessures. Pour créer le danger. Ouais, c'est bien défendu. Ouais, faire de faute. Un marabout blessé. Ouais, pour les pour ses blessures. Ah, donc vu qu'il est blessé, ça marche pas. Non, mais t'as pas compris. En fait, pour faire passer ses blessures. Pour qu'il est blessé en équipe de France. Non, pour qu'il passe ses blessures, en fait, pour lui qu'il prenne. Apparemment, il y a un ami qui me pose une question et puis moi je comprends rien. Ah, la frappe, ça part bien. Pour plus qu'il ait de blessures, en fait. Ouais, frère, le gros Katos, tiens. La récupération haute, le pressing est payant. Ouais, ça y est, ça passe jamais, quoi, dans ce jeu de merde. Les frères, ils sont plus grands que le Brown James. Le gardien s'illustre bien. Fais-le jeune, Omar, fais un count. Hein? Oh non, frère. Tu m'as dit quoi, Kylian? Non, rien, je me suis trompé de personne, désolé. Je t'ai confondu avec la route. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Et on s'arrêtera. C'est de ma faute, j'aurais pu marquer 20 buts là.
Pour l'instant, je suis éclaté au sol. Attends, on a fait 8 tirs, frère. On a fait 8 tirs. J'ai fait combien de tirs? C'est 6. Bah, j'ai arrêté. J'ai fait 6 arrêts. Incroyable, non? J'ai invincible ouais. Pour la deuxième fois de ce match. Vas-y, bonne deuxième mi-temps, les gars. Pour cette deuxième mi-temps, je vais me préférer au goal. Que attaquant. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Pas assez de concentration sur le match. Tcha. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à dire. Oui. Non. Mais ah, très bonne de possession du ballon. T'inquiète. Qui va le goal? Putain, le goal. Marie-moi. Pas très difficile. Chandelle. Oui, à la récente. Attends. Vas-y, vite. Il y avait mieux à faire. On le voit, c'est un match où le score est très accroché, mais on continue à se créer beaucoup d'occasions. On sait que ça va évoluer. Non, essaie de la faire quand tu vois que je commence à courir. La sérénité, c'est le plus important. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Oh là là. Oh là là, les gars, on s'est fait marabouter là. C'est pas possible. C'est pire qu'un maraboutage là. Une torture. Pas, c'est Jeffrey Dahmer, ça. Il pense à nous là. Eh les gars, Jeffrey Dahmer, il nous a drogué avant le match. Le tir, il la sort. Mais le goal, t'es un monstre le goal. T'es un putain de monstre. Une parade exceptionnelle. Le corner bien tiré. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Carole, ça va, Carole. C'est très bien joué ce ballon. Putain, je croyais que t'allais me faire partir plus vite. Passe en profondeur, dommage. La musique n'avait pas commencé, il avait déjà commencé à danser. Intervention défensive, le ballon en touche. Ouais, c'est bien récupéré ça. Et nous voilà maintenant dans la... Ouais, frère, il y a faute, il m'a pété la cheville. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Il m'a pris toutes mes entrailles, ce bâtard. Oh, attention à ce centre. Il a une tête qui passe loin du but. Je l'ai pas, il a mis à côté. Tiens, le rouge, si j'ai réussi à te la faire. Ah non, non. Et les voilà en possession du ballon. C'est un mec du 9-3, celui qui court comme un gay. Oh, ya yeah. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ça sort en 6 mètres. Oui. J'ai besoin d'un peu. Garde-la, fais bien ce que tu veux. Oui, le long ballon. Oh non. Ah, bon précis, ballon récupéré. Fini. Pourquoi pas? C'est avant mon pote. Oh, y a faute. Oh. Y a faute, moi. Y a faute. Le danger est éloigné. Eh, hey, bien donné ce ballon. Ah, c'était bien parti. Eh, hey, sur PES, les arbitrages ils sont plus. Même ils jouent PES, je les arrête. Et même je les laisse les cages libres. Évidemment. Frère, je suis plus fort que Alain déjà. J'arrive pas à marquer ça. Cage libre. Et c'est la cage libre. Il a mis une tête à côté, enfin lui il doit améliorer sa tête. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Il met un bon crâne nice là pour la précision. Personne. Tu la carottes. Non, ça rebondit à côté de toi. Ah, c'est là. Mes frères, on s'est vraiment fait marabouter là. Ils ont touché. Jeffrey, ils nous ont violé. Jeffrey, ils nous violent là quoi. Il bloque. Ouais. Kylian. Ouais. Non,
Ouais, c'est bon. Allez, pourquoi pas un tir? Oui, la frappe. Et c'est après, le là, but faut pas avoir la frappe du camion, c'est le deuxième. Qui illumine enfin ce but va transformer la fin de la rencontre. Voilà ce qu'on attendait. Un déclic, les filets qui tremblent. Travail, il a fait au propos, quoi. Va être enflammé. Ce but a une valeur pour réveiller une émotion positive. Ça donne une manifestation amplifiée de la passion. Un but extrêmement important, il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Kylian. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Oui, oui, bravo. Parce que ça peut lui valoir des ennuis. Pour l'arbitre, cette faute mérite un carton jaune. Il a tout à fait raison. Mais arrête. T'as pas d'en... Mais arrête. C'est le week-end. Là, les passes s'accélèrent pour déstabiliser l'adversaire. Romar. Il est pressé. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Maman. Ouais, mais non, mais... Non, je bug. Eh, Omar, dis à ta mère qu'elle fasse pas chier là et qu'elle fasse jouer. Pour aller tenter d'égaliser. Oh, j'ai eu un cœur, merci frérot. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai bugué, c'est bon. Ah ouais, putain. Putain, les gars. On n'a pas le droit. Pourquoi vous jouez en défense comme ça, là? Regardez, la clé de ce but... Putain les gars, on peut pas faire face à eux, ils sont trop gays. Ensuite, pas de dribble. Mais pourquoi t'as pas si seul pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Attends, mais vas-y, mais viens ta mère à chienne ici, frère. Tac. Voilà. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Tu sors en rouge, je te retrouve l'arbitre. Frère, ouais, c'est vraiment le cas. Ça se voit là. Derrière son écran. Un gros les chips. Ouais. Frère, tu mets devant la connexion. Tiens mon pote. Oh non. Viens là, je te prends toute ta famille et toi. Papa, c'est toi. Ouais, frère. Oh non, c'est trop ce jeu de merde. Eux, c'est pas des adversaires. Ils sont trop nuls. Ils méritent pas de gagner. Oui, bien sûr, je te l'ai demandé là, Oui, vachement, mais bon, oui, le tir. Oh, la faute, une nouvelle faute de sa part. Attention là, que va dire l'arbitre? Papa, ça va? Voilà. Ah, c'est bon. Je suis prêt. S'il la met, hein. Les gars, s'il la met, c'est parce qu'on va faire vous. Et comment tu te mets à manger? Il y a que le capitaine qui peut le faire. Il faut se mettre derrière. Ah ouais? Ouais. Chandelle, mec, putain. C'est pas des adversaires de ma taille, tu vois. Prochain match. Ils sont trop gays, frère. Bon, on va pas gagner tout le temps. Après, s'il y a de quoi. Je suis désolé. Pourquoi il quitte l'autre? Mais tu sais, en plus, celui qui vient me quitter, c'est lui qui nous a... Ça, et c'est pas que je vais causer sa faute, mais c'est un peu à cause de lui qu'on s'est pris le deuxième but. Hein. Frère, à tout moment, on a tout gâché là. On a tout gâché le match. Bon, il n'y a que nous trois, hein. Attends. Eh, ça y est, arrêtez de casser les couilles et d'appeler là, c'est les vacances, c'est les week-ends, frère. Oh, vous demandez les devoirs, allez bien vous faire enculer, c'est les vacances. Mon père, il me faut rigoler, genre il a claqué des mains, il a fait genre avec ses gestes, genre il éteint la play, sauf que j'ai dit non, et après il est parti, donc c'est bon, je peux jouer moi. Eh les gars, par contre, faites pas chier. Oh, la vie de ma mère, c'est le week-end, vous envoyez des messages à 22h pour les devoirs. Maillot, c'est rouge, allez dormir, noir, allez bien dormir. Oh les gars, il est 22h, vous demandez pour les devoirs. Ça se voit, vous darons, c'est des interros. Bande de trous du cul.
Ton père il est plus en forme. Ça y est, non, mais le groupe de la classe il casse les couilles, envoyer des messages pour les devoirs là. Vas-y. Ton père le plombier là. Ouais, je suis en live. Bienvenue à toutes et à tous dans okay. cette superbe ambiance à Turin, à l'Allianz Stadium. Dans la cabine de commentateur, Benjamin Da Silva, El Petiso, et accompagné évidemment Tomar Da Fonseca, la Pulguita. Et sans aucun doute, on devrait assister aujourd'hui à une rencontre spectaculaire. C'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Pour l'instant, on n'est pas loin du parcours idéal. Après trois matchs, non, non, c'est on a déjà une tendance qui se dessine et une équipe qui est en train d'écraser l'écart au classement. La saison est encore tcha, 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 tcha. De consistance. Tcha, tcha, tcha. Chandel. Le titre est au bout. Chandel, vite. Tu l'as fait, trop tard, frère. En fait, avec le bug, ça a lâché mon attention. Mais ça oh non, tu l'as fait trop. Ouais, mais tu l'as fait trop tard. Bonne intervention, sans faute. Pourquoi ? Tu fais ? Tu t'assois pas ? Waouh, c'est quoi ça ? Fais le repos de volée, espèce de PD, va. Ah, c'est bon, pas mieux. Allez, voilà, dépossédé du ballon. Oh, mais. Là. Wesh frère, c'est trop, mais c'est trop. Il y a des joueurs en force. C'est une bonne idée. Faut s'appliquer. Il fait une max ce jeu. Et la vie de ma mère sur PS, tout ce que je fais, ça rentre. Mais on est sur FIFA là. Fini. Fini. Elle est belle, elle est belle. Fini. Merci. Mais non, de rien. Il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Cornea. Et ça sort. C'est un renvoi au stade. C'est pour aujourd'hui qu'on se parle. Et tu vas répondre de suite avec Amaya, ok? Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et j'aimerais mieux ça. L'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Eh, hey, commencez pas à faire chier là, regardez, je suis en live. Voilà, tu vois là, je suis en live. Et ta gueule. Ouais. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Désolé les frères, c'est un film de relais. Impossible à jouer là. Essayez la centrée 46. Oh le centre. Oh le centre. Non mais on a tout de suite cette putain de merde. Putain de jeu de merde. Bien défendu ça. Hors jeu de peu. Mais quel hors jeu. Mais c'est parce qu'il est noir que tu siffles, enculé. C'est parce qu'il est noir. T'es à ma mère, je vais te priver, tu vas voir. Arbitre de merde. Ah dommage, ballon perdu. Vas-y le match. Eh tu sais que je pensais que t'allais me la faire plus vite mec. Hein. Tiens. Ils sont trop gaises, ils sont trop gaises. Il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Côté gauche. Droit je vais faire attendre, à droite je veux dire. Ah tu l'as mis gauche, j'ai fait à gauche. Ah excusez-moi. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Mais frère, Roland, c'est tout. Oh non, de Dieu, c'est quoi cette chance? Tiens. Non, de la chance incroyable sur lui. Avec un peu d'espace sur son aile. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Oui, le long ballon. Faut un crochet, faut un crochet. Voilà. En plein. Oh. Peut-être de côté, tiens, j'aurais pas envie. Eh les gars, je suis en train d'éclater ma main. La passe pour créer le danger.
Allez, hors-jeu signalé par l'arbitre sur cette ouverture dans le dos de la défense. Oui, mais l'appel des balles avait un temps d'avance. La défense ne s'est pas laissée piéger. Ouais, je me fais quoi cette frappe écrasée, espèce de gros PD, va. Espèce d'homosexuel. L'erreur. Moi, un jour, j'ai eu un empereur chat de là. Bonne pression de la défense, et donc le ballon sort des limites du terrain. Mauvaise passe et le ballon trop facilement. Tu l'as demandé comme par hasard ce PD quand tu l'as demandé que ça passe. Le ballon circule bien. Ça fait partie de 40 parce que je t'ai vu. Parce que je t'ai vu. Mais quoi, mais de quoi ça passe pas? Je suis vraiment pas qu'on peut pas s'asseoir. Au nom de Dieu. Attendez les gars, c'est. Parce que ça me casse les couilles, ça fait 3 heures qu'on joue. En 3 heures, j'ai marqué 3 buts. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le. Attendez, les gars. Récupération musclée tout en évitant le penalty. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Eh, arrêtez de spam. Au nom, arrêtez de spam. Au nom de Dieu, arrêtez de spam parce que vous tous vous êtes tout au bout. L'action continue, c'est une bonne séquence. Le ballon est finalement intercepté. Les gars, moi je crois que je vais. Attends. Les gars, peut-être je vais me prendre un but. Attention, le ballon leur échappe. Mais tu aimes ta mère chienne, hein, ce qui me suit. Bonne vision là avec cette passe. Oh, en plus le goal il bouge pas. Oui, le ballon est intercepté. Le goal, allô. Ouais, c'est très bien défendu. De partir carotte. Eh bien vu, la passe en profondeur. Les gens de la défense, c'était bien vu, mais le drapeau s'est levé. Oui, petit défaut des temporalités dans la profondeur. La porte était déjà refermée. Siffle. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est donc la mi-temps à l'Allianz Stadium. Je vais changer ma caméra parce que c'est chiant. Et Brian, quand je te vois après les cours traîner sur un banc avec tes potes à rouler vos cigarettes, tu vas pas me dire que tu prends le temps de travailler un minimum. Oh ben excusez-moi, mes potes, j'ai un peu tout ce qui me reste par rapport à la situation de merde que je vis. Mais bon, pour vous les profs, étudiez, c'est bon, allô. Servez à rien, monsieur. Ouais, je suis là. C'est bien de retrouver. Yop, c'est moi. GXTEN Ryan. Les gars, vous connaissez GXSTE tiré du bas Ryan. Il m'a marqué Yo bébé, c'est moi. Non, pourquoi? Parce qu'il m'a marqué Yo bébé, c'est moi. Ah, ok, parce que je pense que c'était une rôle. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Et Jomar, je le connais. Ouais, le ballon bien capté. C'est toi. Oh calme, vas-y, t'inquiète, ça va toi, voilà, ça va. Récupération du ballon. C'est une bonne intervention. Tu me m'as dit tu dates. Ouais, non, mais t'inquiète, je me rappelle. L'attaque se poursuit, elle se développe. Oula, l'équipe ira. C'est vrai, tu dates. Ce ballon est perdu. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Et au nom de Dieu, ma télé l'a pété en deux. Vraiment dangereuse, mais l'appel de balle n'était pas bien coordonné. C'est un appel de balle qui est précipité. Au lieu de prendre le temps d'analyser la passe, il faut évaluer pour pouvoir évoluer. Alors comme ça, tu oublies mort de rire. T'as vu ça? Ça fait de ma gueule en plus. Ballon récupéré très haut. Le centre ne donne rien. Intercepté sans problème.
Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ouais, c'est quoi ce passe? Bonne intervention. Mais tiens, mon frère, quoi? Il y a une personne PS5. Il y a personne, frère, PS5. C'est possible que tu fais exprès. Mais du coup, vas-y, toi, va dormir. Il a eu sa bonne interception. Il allait dormir. Comme si je faisais exprès, frère. L'attaque se poursuit, balle au pied. Le frère, après, j'aurais déjà rigolé. Ah, il faut vraiment s'appliquer, améliorer la trajectoire des centres. Ouais. Un petit peu de champ dans l'axe. Ah, le ballon est contré. Elle va sortir, mon pote. Tiens. Moi. Au nom de Dieu, frère. Au nom de Dieu, il est SMP dès l'arbitre. Sors. Très bon arrêt. Une arrêt. Magnifique. C'est bien défendu. Et voilà, cette parade lui permet de maintenir une passe encore dégueulasse. Tiens, mais ouais, c'est la pique ma mère, frère. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Quoi? Kylian? Ouais, tu l'as même pas demandé. Kylian? Oui. Ah bah voilà, moi voilà, frère, quand je parle, on dirait personne m'entend. Ouais, c'est bon, tout le monde peut être... Non. Non. Attention, on va pousser par-dessus la défense. Mais tu sais que frère, j'ai vraiment pété un plomb. Parce que ça me casse les couilles que ces putains de potes ne me voient pas partir. La défense ne s'est pas laissée piéger. Et là, genre, tu imagines gros le petit. Et le ballon est finalement intercepté. Ah, bien joué dans la profondeur. Ah, c'est bien fait pour éloigner le danger. Oh non, mon frère, t'as vu. Ah, la récupération haute, bon pressing. Wesh. Eh hey, frère, au goal, je suis trop fort. Incroyable, invincible. Mais Kylian. Ok, il parle pas. Si, dame, il est vénère. Putain, ça fait 3 matchs, il marque pas. Enfin, mais évidemment, la victoire est. Mais Kylian, tu vois, moi, ça m'a écrit. Voilà, putain. Enfin, il est mérité. Il est mérité. Laisse-moi les bottes. Ouais. Pourquoi j'ai été exclu du club? Je sais pas. C'est Ryan. C'est Yannis. J'ai été exclu du club. Ouais, non, mais c'est Yannis. Mais le club, du coup, il est en privé, je peux pas rejoindre. Ouais, ben fais une demande. D'accord. Oui, ce compteur est ouvert, là, c'est bon. Power shoot qui gagne. Et ouais, mon pote. Peu importe, démerdez-vous entre vous, les potes. Mais il fallait mieux. J'ai pas fait ce que je t'avais. Tu sais que je t'avais pas vu ce que je veux dire. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Tu m'as parlé entre le CNM, il y a la baisse finale. Nice, j'ai regardé. Ouais. Et oui, le petit Kylian Jean-Jean-Live. Power shoot. Oh non, carotte, voilà carotte. Voilà carotte, voilà mon petit, voilà carotte. Let's go. Ouais, j'ai failli marquer un power shoot. Tu cherches des joueurs, ouais, frérot, j'ai marqué des joueurs. Bon, on a gagné. On a marqué deux. La connexion avec l'adversaire a été perdue. Merci, frérot. Des gars, quittez. Allô.
La connexion avec l'adversaire. C'est normal, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont quitté. Mais deux buts en 5 minutes, c'est normal. Ok, milieu, ouais, je recrute milieu, frérot. Bah, du coup, Kylian, je te fais demande, tu m'acceptes? Ouais. Marque mon PSN, s'il te plaît, au live. Qui? PS4, frérot. Toi, s'il te plaît. Ok. PSN, c'est Kylian. Ouais. Un mec qui kiffe les musiques si fort. C'est bon, j'ai écrit. Merci frérot. Et Omar. Écrit. Omar. Ouais. T'allais dans les cages. Ah vas-y. Mais attendez. Merci. Vas-y, Kylian, je te fais une demande là. Est-ce que tu penses que j'étais beau gardien? Moi il faudra prendre aux autres. Je sais pas, un de vous deux, enfin je disais ça. J'ai rien reçu, mec. Faudra prendre aux autres. Et on a moins t'as reçu là. C'est bon. En fait, en route, parce que j'ai pas entendu. Moi, ça fait, ça dépend les jours. Genre. Les gars, écoutez-moi, au pire, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire 3 matchs chacun. Allez, les gars. Mais 4, quand même, s'il te plaît. Carotte. Carotte. J'ai eu la peur de salut. Mmh. Allez, allez. Mais 4, s'il te plaît. Ah, du coup, je vais sur le terrain, moi. Mais 4, s'il te plaît, carotte. Attends, je vois. Du coup, les gars, je suis demain. Tranquille. Ouais, du coup, ouais. Ça va, ça moi, va. Moi, je vais attaquer en droit. Laissez-moi faire salut. Les corners, droit. Je suis trop bien faire les corners. Privé, tu me dis quand tu m'as fait une demande, je viens de t'accepter. Tu m'as fait la demande, attendez, ben, attendez, je m'enlève deux spies, s'il vous plaît, je m'enlève deux spies. Ça me dérange pas, tu me donnes le coup franc droit vu que je suis gaucher. Si moi aussi je suis gaucher. Ah, maillot d'Argentine, depuis quand? Je suis trop fort au goal, mais carotte il y est. Bah ça va de mon tour. Ouais, depuis quand on a le maillot d'Argentine? Vas-y, on a fait une demande. Bah on l'a le maillot de la France. Ok, ok, désolé, ah, parce que tu m'as... j'ai entendu, je t'ai le fait, mais t'inquiète, regarde. Les frérots, okay. vous allez me laisser cap, s'il vous plaît, par contre. Place-toi dans la compo, j'ai s'il goûté te plaît. Du gaz. Gazon avec ma chèvre aujourd'hui. Désolé. Désolé, Anna Alzheimer. Désolé, frérot. Moi, je n'ai pas les qualités. Attends, mais tu dis. Je n'ai pas les qualités nécessaires. Mais Kylian, mets-toi. MOC, ça te va? Ouais. Moi je m'en fous, moi je me mets. MOC, tu veux jouer MOC? Ouais, j'étais à 90. Ouais, pourquoi... Non, shiny, je rigole pas pour toi, t'inquiète. Shiny, c'est passé, t'entends pas quelqu'un, t'entends pas Omar? Il est trop marrant, Omar. Omar, make-up. Pourquoi je suis marrant? Omar, make-up. T'as dit quoi, Omar? T'as 99 d'effets, frère. Ouais, je sais. Omar, make-up. Chef. Tu peux me laisser les coffres en droit, je me suis mis exprès pour moi. Les corners, par contre, je vais bien les tirer. Les corners, je vais bien les tirer. Sinon, la faute, c'est celui qui a provoqué la faute qui tire, et puis c'est tout. Pareil pour les pénalties. Ok, mais les corners, je peux faire les droites. Ah bah non, t'es gaucher, t'es aussi shiny. Ouais. Bah, c'est pas grave, comment t'as fait pour avoir 99 d'effet? Bah frérot, tu vas dans les stats, tu mets 99 d'effets, c'est logique. Il a mis que de la passe, c'est normal. Mais oui, j'ai beaucoup mais de passes. Mais si vous... Ah, foutu. Je suis un âgé, je dois avoir beaucoup de passes. Moi, j'en mets même pas des passes.
Non frérot, je rigole pas pour ça. Bon, on lance, c'est comment les gars? T'arrives... Ah ouais, j'ai pas... Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Kylian, tu feras SCV, ils sont incroyables. Ah mais c'est une recrue LXDJ. J'ai pas compris le petit... Le petit, j'ai pas compris. Du coup, ouais, du coup, Caro, tu fais 3 matchs, je fais 3 matchs, après Omar fait 3 matchs, Caro 3 matchs, on fait ça, c'est... Tu peux me répéter, s'il te plaît. Il m'aime bien au goal, donc il y a plus de... Il y a des chances. Les gars, je vais pas vous mentir, on est d'accord, il est magnifique, le maillot de la France. Ouais. Ouais, on fait... Ouais, un crabe. Après, tu feras mes coups francs, ils sont incroyables. Ah, tu verras. Non, frérot, je suis sur PS4. Par contre, les gars, je me suis renseigné pour avoir une PS4. Ah, mais non, j'ai oublié de changer mon numéro, je suis numéro 1. Les gars, vous avez pété votre crâne. Donc, je me suis renseigné à Micromania pour avoir une. Les gars. Je me suis renseigné pour avoir une PS5. Et écoutez, vous savez quoi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Pas avant 2025. Waouh! De quoi? Pour avoir ma PS5, pas avant 2025. 2025 là, chez moi nous les vendeurs. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentin. Apprends le terrain les flashs. Grosse excitation avant le début de cette rencontre et c'est une ambiance de grande fête. Beaucoup d'émotions. Carotte. Il faut tenter le coup. Pourquoi oui carotte. Et ça fait donc corner. Moi je veux bugger donc je ne vais pas savoir ce qui s'est passé quoi. Ah, le danger est écarté. C'est bien parti. Et vous derrière? Vas-y, Omar, va. Et c'est pas fini. Oh, le réflexe magnifique. Mets-moi la vite. Tu veux la vite. Petite combinaison. Eh, Omar, j'essaie de te la centrer pourtant. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. J'étais là en boc quand tu me l'as dit. Ouais, mais désolé, le petit, je m'en rappelle de rien, frère. Non, je suis même pas énervé. Pourquoi tu dis n'importe quoi? Non, je m'arrache pas, je suis honorable. Moi, je suis assez riche pour m'offrir la PS5, mais je la prends pas parce que je ne joue plus. BMR Gamer, si tu peux me l'acheter, franchement, ça me ferait énormément plaisir. Je rigole, c'est un gros rare. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Mais tu sais que j'ai mon pote là, les graphismes ils sont magnifiques. Mais le problème c'est, je trouve c'est bizarre avec en fait. Comment te dire, il y a pas la même fusion. Pour moi c'est pas la même fusion de jeu que la PS4. Ouais, cette passe, elle est bien ouais c'est ça. En fait ça m'a stressé. Même le menu ça m'a stressé. J'ai pas compris. Bien sûr que l'arbitre va signer la qualité unique. Par contre, les gars, 3 matchs, ça va être long. C'est intéressant que t'as la qualité unique. Même pas, vas-y, 14-4. Je veux pas la tenter quand même. J'ai pas vu. Bah, allez, tout ce cinéma. Pour ça. Très bonne intervention pour écarter le danger. Ouais, j'ai toujours plus les lenteurs, frère. Pourquoi les boxeurs, ça... Pourquoi les pots au char... Ouais, j'ai réussi à parler. Pourquoi les pots shoot ça met autant de temps, tu vois. Très bonne progression, balle au pied. Le ballon est centré. Caro, tu vois, une chandelle magnifique, s'il te plaît. Trop tard, ben ouais, trop tard. J'ai pas de dégagement. Je vais rater mon dégagement. T'en fous, tu veux. T'essayes. Voilà non, pourquoi. Non, le ballon ne trouve pas le cadre, toujours 0-0 entre les deux équipes. Caro, regarde-moi à gauche. Le match n'est pas fini. À gauche ou à droite. Ça va faire les mêmes dégagements que Omar. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Mon gardien, il va l'envoyer très loin. Moi, non, quand je t'ai dit des gros. Tu donnes un bon décalage sur ce ballon. Eh ouais. Il est centré, mon gars, il a essayé de la mettre sur son pied droit. Ah, mais si, il a une chance de perdre la balle, c'est ça.
Ah, la frappe est contrée. Oh, on va voir si une passe. Ouais, bien fait. Bon précis pour récupérer enfin, le ballon. Voilà, allez, mais juste là, j'ai vu cette frappe là. Non mais tranquille, t'inquiète, c'est le chauffement ça. C'est la première frappe du match. Frère, t'as voulu allumer les supporters. Hey, ils m'ont tellement cassé les couilles, frère. Sur le rouge. Hey, tu sais que j'essaye, putain, j'essaye. T'as fait un perso ou t'as fait une lumière rendu à l'adversaire. Hey, je me suis mis à 120 kilos pour mettre des putains de coups de physique, mon pote, ça marche même pas. Ah, il s'est jamais eu le temps pour toi. Je suis Omar. C'est pas Omar, toi, excuse. Bah non, moi, je suis une jeune. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Oh, regarde, wow, tu vois. Non, c'est magnifique, mon frère. Il est magnifique, oh non. C'est juste moi qui rejoue. C'est un hors-jeu signalé. Il est dérangé, ouais. Bon, juste, on passe la tête. J'ai un pote, tu cavales, et quand t'as la balle, il te fait ton jeu. Ça, c'est vraiment le moment. Tu oui, laisses plus d'énergie pour eux. Ma manette, je vais l'envoyer sur l'autre route qui est à côté de toi. Oh, je... Voilà, frérot, je vais l'envoyer. La très bonne intervention là pour écarter le danger. Et Philippe Etchebest, il va venir chez moi, frérot, non? L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de. Eh, Omar, t'as pas de chance! Omar, t'as pas de chance! Omar, t'as pas de chance! On voit qu'elle a encore. Ah, je pensais que t'allais dire un autre chose parce que là, j'allais dire que j'ai le droit de tenter, frère, t'as tenté une fois. Et pourquoi il me l'a pas, ce PD? Voilà! Quand tu lui as dit PD, il a eu peur de toi. Oh, car, c'est 120 kilos, mon pote, c'est quoi le problème? C'est ma fesse. C'est ma mienne, c'est. Eh, frère, je suis un taureau, les gars, je suis un taureau, vous avez vu le. Mon joueur? Tu l'as, voilà. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Oh, j'ai pas de dégagement, carotte. Il a pas un dégagement ou du fou là. J'ai stressé. Aïe, j'ai eu peur. Oui. La dernière fois, je me suis pris un but comme ça, on a commencé à fuir. Eh, tu t'es fait daronner. Quoi? Eh, carotte. J'ai fait une erreur, ils sont vraiment pressés et ça a commencé à fuir. Carotte, ce jour-là, tu t'étais fait daronner. Il s'est fait carotter. Maintenant siffle la faute et attention rien. Quand même au carton. Moi vu que je suis grand. Moi. On l'avait fait plusieurs fois, mais la sanction est. Moi vu que je suis grand, je vais aller. Ah ben merde. Prévisible et l'arbitre vient en quelque sorte le récompenser pour l'ensemble de son ordre. Parafou. Mets-toi dans les cages. Non, tu vas me gêner, ne te mets pas, avance, le rouge, avance. À gauche, à droite, à gauche. Tout ça pour ça, ouais. À droite, Tani. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Non, ça c'est dégueulasse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. T'as pas, je vais pas te mentir. Genre, c'est vraiment Tarlitcha quoi, contre Tara. T'as vu les reprises qu'il met? Dégueulasse. C'est plutôt un bon match pour l'instant. Même si la situation est très serrée. Eh, oh non, ce PD, il me l'a pas ce que je vais la demander. C'est homosexuel là. Quand tu dis PD, t'as tout le temps de la chance, frère. PD. Non, mais je rigole, on a de la malchance. Voilà. Moi je te dis, fais ma technique, gardien, t'avances et tu recules. Ah, après, sinon, ils allaient faire un PS. Il y avait un mec dans l'ex juste à côté. Tu as allumé le feu, vous que j'allume ça à Taron. Au moment d'Afrique, ils ont fait une sorcière de la première période. Il nous a fait allumer. Les gars, après quitter. Oh les chefs, après quitter, comme ça je vous remets mon joueur maigre. En toute la partie, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais. Ah, quand on termine le match. Oui, quand on termine le match. J'ai demandé à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo de bien vouloir prendre quelques petites secondes pour la partager afin qu'on puisse retrouver les coupables le plus rapidement possible et les faire punir. Regardez ce que font ces femmes dans cette vidéo. C'est tout simplement honteux. Comment ils lèvent la main, ils prennent du plaisir à faire du mal à cette personne âgée. Ils sont censés
penser, la protéger. Nos anciens sont tout ce qui nous reste finalement dans notre société. Et regardez comment ils prennent soin de nos anciens, de nos grands-parents. Regardez comment cette femme est humiliée et le sourire, les ricanements même. Le début face de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Très belle passe, bonne intuition. Moi j'ai fait Ousmane Dembélé. Moi j'ai fait Kylian Mbappé. Ok. Moi j'ai fait Moi j'ai fait Mohamed Salah, pardon. Même en essayant de la placer, ça manquait de justesse, des directions surtout. Fais partir. Merci Omar. Abbé. Je suis tout seul à gauche. Allez, la jolie passe dans la profondeur. Ouais Omar, par contre frère, je vais pas te mentir. Regardez-moi. Tu vois, je la demande, pourquoi je la demande, putain. Je l'ai demandé même, la plus violemment. Je peux pas insulter, vas-y. Non, t'inquiète, au calme. Oh mais Omar, je m'en bats les couilles, fais ce que tu veux. C'est exactement ce que je voulais dire, merci. Mon frère, lui, il est dans les... il est dans la pensée des gens. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est bien. Tu crois que je suis pas en lisant des pensées? Oh non, pote, tu veux te mettre un coup physique, je vais t'envoyer à Paname, PD. La demande, la demande. Les ballons dans la profondeur. Mais je sais pas, j'ai oui, ils sont nuls. Oh, le tir. Bonjour Kylian, je t'attends toujours pour rejoindre ensemble, tu me l'avais promis. À Fortnite, j'attends toujours. Ça fait 3 heures que je t'attends. Idriss, de toute façon, je suis désolé frérot. Je vais pas te mentir ce soir. Franchement, si c'est un match, je vais me coucher. Parce que. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis les gars, après vous allez faire un match. Les gars, voilà, il reste sur un match. Ils ont le coup. Les gars, après vous allez faire un match sans moi. Les faisons courir derrière le ballon. Parce que j'ai rien quelque chose. Pas une bonne situation à venir encore. Pipi. Mais aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Je crois que j'ai pissé pendant 12 minutes. Le bon mouvement. Non, ça ne passe pas. Le ballon est contré. Douche. Ouais, bien fait. Non précis pour récupérer le ballon. Ah. Eh les gars, il y a les Schmitt qui ont couru avec nous ce matin. Un peu par rapport à la bouche, ou c'est tout. Non mais voilà, il y a les filles qui ont couru avec nous. Pourquoi pas par rapport à le joystick, il l'a mitraillé, frère. Et son joystick est blessé là. Même l'occasion de prendre l'avantage. Un ballon bien stoppé. Carotte. Donc ouais, t'inquiète, il n'enverrait pas le jeu, j'ai trop hâte. Quoi faire, trop hâte. Cette action, mais pas comme ça. Ouais, je vais le détruire lui, il me soutient. Viens là. Carotte, s'il te plaît. Grosse occasion pour passer devant. Eh, oh non, Carotte, il était inutile. Oh, Carotte, c'était... Mais non. Mais c'est pas possible. C'est Carotte, c'est ta buse, putain Carotte. Mais pourquoi tu quittes Carotte? Mais c'est pas moi. Carotte. C'est le pote. C'est Carotte, tu m'as. Non, calme Carotte, tu m'en bats les couilles. Non, il a rien fait Carotte, il a rien fait. C'est pas de la faute à Carotte. On rigole avec toi. Il rigole. Le pote, il m'a vite transféré. Dembélé. Eh oh non, même ma première est plus forte que les autres. Boum! Oh non, t'es trop nul! Tu parles de carotte, mais t'es trop gay! J'ai trop bien faire les centres, t'as vu? Je suis trop fort en centre, j'ai juré, je suis trop fort. Pas en corner. C'est le corner aussi. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ouais, c'est les corners, je suis trop bien les tirs. La projection dans le Y'a faute, ils sont en dessous de moi. Ils m'ont soulevé, on n'est pas rugby l'arbitre. Ça m'a fait quitter le match. Quoi? Comment ça tu t'as fait quitter? Banane. Comment ça une banane à minuit, tu crois? Ouais, il est clairement minuit. Et en pleine soirée. Ouais, interception réussie, ballon récupéré. J'ai quitté suite. Wouah, c'est quoi mon contrôle dégueulasse qu'il a fait mon gars? Ah non, ce ballon est perdu. Et y'a comment qui me tape le match de. Un ballon
Des matchs, j'ai des matchs morts. Quoi? Quoi? Ça rentre pas ça? Quoi? 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 Il était magnifiquement centré. Il permet à l'équipe de maintenir son avantage. Il était magnifiquement dégueulasse le centre. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Mais non, je rigole, il était incroyable. Eh, bien donné ce ballon. Oh, carotte, la vue ma mère, carotte, la carotte. Pourquoi tu fais trop peur? T'es trop fort. Mais la vie, il fait des arrêts dernière seconde. Oh non, Omar, il arrête de jouer. Oh, je prends ça. Je voulais le replacer, pour sortir. Il peut 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre la bouche, laisse ouais, l'avantage. C'est qu'ils sont. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Là pour moi c'était Kylian, c'est ça. Et malheureusement le temps presse et au score le compte. Oh non, pardon mec, j'avais besoin de toi là. La saison n'est pas encore complètement finie. Et il y a combien qui me tape les trucs de malchance, vraiment. Le bot qui marque quand il prend. Voilà, c'était une technique pour faire mal au bot. On sent bien que tout le monde y croit ici, extraordinaire comme on Amar, cette équipe Omar. Qui doit Amar. Son public qui non mais j'ai compris, j'ai le gardien de Picaré. Amar, c'est Amar. Pas un plat. Amar, comme ça, Amar. C'est pas un plat, Amar, le Amar, un poisson. Oui, c'est mais non, mais... Tempo, mais temporise, frérot. Temporise dans ta vie. Long ballon aérien et du coup la défense. Elle, au nom de Dieu, je fais 250 kilos, je suis plus gros que tu mens. Allez, il faut lever la tête maintenant. Attention. Eh, au nom de Dieu, ça y est. Voilà, et c'est la cata. Un deuxième but d'écart. Où est le maintien? Il est sans. C'est la vie d'artiste. Il était dans l'axe, 1 contre 1, point de pénalty. 85ème minute, je savais pas. Frère, il y a même pas Kylian. T'es où Kylian, frère? J'ai quitté, oh non, j'ai quitté. Pourquoi tu as quitté? Ah, parce qu'il n'y a aucune chance de gagner là, vu que c'est fini. Ah, donc du coup, ton expé, elle est morte. Je m'en bats les couilles de l'expé. Mon joueur, il fait 250 kilos, il est plus gros qu'un rugbyman. Tout le monde a quitté, ouais, je quittais en vrai. Non, moi, je garde. Non, quitte pas pour tes XP, vu que toi, t'as débuté au goal, c'est mieux que tu quittes pas. Hey, Carotte, vu que t'es capitaine, tu m'es quitté, hein, tu m'es pas à prochain match. Moi tranquille, je suis numéro 66. Moi je suis numéro 11 comme à la sélection. Non mais je me suis trompé, moi je suis niveau 66. Ah moi je suis level 30. J'ai fait un Dembélé, il est réaliste. Hein. Vraiment masterclass. Elle dit quoi, Shane? Faites un match sans moi. Ce sera mon dernier match, je vous préviens. Tiens. Ah non, c'était bon. C'est tout simplement honteux, tout comme toutes les personnes qui passent et qui ne réagissent pas à côté, ou la personne qui filme, maman. C'est tout simplement. Ouais, les gars, moi je vais découvrir la plus. Oh non, s'il vous plaît, non. Vas-y, je commence à être fatigué. Enfin, je vais pas te dire t'abuses. Ah oui, j'abuse, je sais, j'étais quoi, 23h. Un match, s'il te plaît. Un match. Ouais, un ou deux matchs. Non, un ou trois matchs, deux ou trois matchs. Encore un match. Vas-y, encore un match, ça marche. Non, mais encore deux matchs, s'il te plaît, parce que dans le prochain, il y aura, tu vois, Shiny, tu vois. Ça te dérange pas, deux matchs, s'il te plaît, si tu tiens. Mais oui, il va tenir, c'est pas un PD. Hey, Kylian, tu te mets cap, mais s'il te plaît, laisse mes rôles. Ah, oh, mais là, t'es au courant, là, mes yeux, ils se ferment. T'as dit quoi? Mes yeux, ils se ferment. Comment je suis fatigué, mais ils sont plus lourds. Bah, vas-y, encore un match.
En vrai, pour pas de risque, va en AG1. Non, parce que vu que tes yeux se ferment, bah pour le gardien, t'inquiète pas. Je reviens, je te conseille parce que pour le gardien, il faut bien être concentré. Hein. Je reviens, je vais me prendre comment ça s'appelle ? De la glace. Un verre de coca. Coca-Cola, bien fait le chacal. Le coca, ça fait réveiller, il y a de la caféine dedans. La caféine ? Oh non, en plus, c'est vrai. On va faire de la cocaïne, frère. Ah, vas-y, lancez si vous voulez. J'ai juré de la cocaïne, c'est encore plus... C'est plus bleu qu'un Capri Sun. Bon, arrête, y a plus vieux qu'un Capri Sun, hein. Bah si, c'est de la plante, donc c'est bio. Alors... Kylian, tu lances ou pas? Mais, ouais, allez. Ah, je sais qu'est-ce qu'il fait, Shiny, il pratique la pignou. Ouais, t'as raison, en plus. Ah, vraiment, tu fais quoi, s'il te plaît, G, c'est pas grave. Vous allez le voir. Ça se voit sur le terrain. Oh, mais le maillot du Portugal. Oh, ouais, voilà. Ah, ouais, ils ont mis les maillots de Coupe du Monde. Let's go. Oh, mes maillots du Maroc, ils ont changé avec la. Bon, incroyable. Mais nos maillots, tu n'en reprends pas. Ah, allô. Allô. Allez, buvons. Oh, on entend la gorgée. Les gars, on doit se venger, frère. En 2016, ils nous ont éclaté. Un jour, on doit mettre la monnaie. Aussi, vous êtes bien installé. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva. Maintenant, on n'attend qu'une chose, que cette rencontre débute enfin. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en prévision. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la pensée. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semble. Le maillot du Portugal, il est dégueulasse. À la faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Dembélé. Ballon pour Schmitt. Ah, essaye de le faire avant, frérot. Tranquille, tranquille. Le goal. C'est mieux de quoi qu'est-ce qu'il y a. Dembélé. Dembouze. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Quelle belle occasion gâchée. Quel centre dégueulasse. C'est ce TV. Ouais, magnifiquement dégueulasse. Dégueulassement dégueulasse. Magnifiquement dégueulasse. On est d'accord. C'est un ballon intercepté. Non, mais dégueulasse, il est choqué. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent. Mais ça... J'avais même pas vu qu'il y avait une faute, vu que j'ai bugué. Oh, l'arbitre, elle sort déjà le carton jaune. Retrouver averti si tôt dans le match, ça peut poser des problèmes. Et oui, parce que tu es forcément obligé de te retenir, de faire attention. Avec ça tout demande une grande maîtrise des soirs. Coup franc lointain et tu m'attends bien. Mais pas ça. Il passe très près du cadre. Il y a cette distance. Tu t'attendais à plus dégueulasse. Tu m'attends pas à ici, le vrai. Ramos. Non, je ne connais pas. Oui, le bon geste défensif. Ça va bien toi? Si c'est. Les gars, il y a quelqu'un qui demande dans le live comment on va. Vous allez bien vous? Hein? Vous allez bien vous? Il y a quelqu'un dans le live. Il y a quelqu'un en live qui demande si vous allez bien. Alors moi. Ok. Il y a quelqu'un qui a demandé si vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Nickel. J'ai lu. Ça va, non, fais PES, mon frérot. Dommage. J'ai 95 de vie.
Mais vite. Et yo. C'est bon, c'est grave, vas-y. Dembélé. Ah. Mec, joue. Combinaison, ça joue en deux temps. T'as un peu du terrain, voilà, pas de Dembélé. De loin. La bonne claquette pour détourner ce ballon. Ah, là, j'ai beaucoup. Là. Et c'est un nouveau corner à tirer. Excellent intervention. Reste où t'es, reste où t'es, reste où t'es. À quel... FIFA 23, frérot. Ah, il est bien frappé, ce corner. Oh, en plus, je suis bien centré. Oh, match. L'arbitre donne le coup. Donc, tu fais match amical. Frère. Aïe, 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 aïe. Ouais, on va avoir match. Il va avoir un match amical, les gars. Ah ouais? Oh non, ouais. J'ai envie d'aller au goal. Quelle belle frappe. Il y a beaucoup dans cette tentative. J'ai envie d'aller au goal pour le match amical. Ah. Ok. Hey, yo. Du caca. Du cacu, Allez, pour match amical, pour match de éteindre, ciao. Les gars, c'était ça. C'est qui doit éteindre? Mais je peux pas faire le match amical, je dois y aller, ciao. Qui dit ça? À demain. Omar, ciao. Non mais tu sais où, Omar? Vas-y, ciao. À demain. T'as un mytho, Omar. Ah, mais pas vraiment. Ah. Non, c'est pas un mytho. Du coup, si Cario... Enfin, du coup, Kylian, oui ou non? Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Merci pour la réponse. Tu m'as parlé? Ouais. Coup franc lointain, finalement, eh bien, c'est abusé. D'ici. Ouais, non, mais j'ai déjà marqué d'ici. Ouais, mais tu l'as marqué une fois. Kylian, quoi? Kylian, t'as accepté pour le match amical du coup? Ouais, j'ai accepté. Je m'appelle Joss et je cherche à faire connaissance avec un 8h. Un 8h de quoi? Lucas, t'as dit quoi? J'ai pas compris. Je m'appelle Josh et je cherche à faire connaissance avec une huître. C'est quoi ça, une huître? C'est pas une huître, c'est ce qu'on mange. Moi, je mange pas d'huître. C'est dégueulasse, là. Ouais, ça doit être un truc dégueulasse en la vie. On dit pas de lui, on dit pas de lui, on dit de l'huître. Connard. T'es parti. Mais Lukaku, je te comprends pas pourquoi tu dis Eyo, 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 Eyo. Ça y est, on a compris, frère. Mais elle est du coup, Carotte, c'est ton deuxième match là que tu as fait. Ouais, des huîtres, mec, c'est dégueulasse, c'est des huîtres. Mais pas ah, c'est ton dernier match là. Ouais, très bonne intervention. T'es un mytho. Carotte, ça se voit, t'avais joué jusqu'à 4h du mat. Mais tu crois? Ça se voit, t'avais joué jusqu'à 4h du sport. T'as dit quoi? T'es sourd, frère. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon. Ça se voit, t'as envie de jouer jusqu'à 4h du mat. Non. En fait, ça se voit un peu qu'il y a envie d'arrêter. Là, c'est sûr que je peux jouer jusqu'à 6h. Non, mais là, c'est sûr. Sympa. Le nom du club FC Bloom 41. Ok, frérot. Du coup, c'est peut-être moi qui vais être le goal au match amical. Pas moi aussi. Je reviens. Tiens. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de jouer en passe devant lui plutôt que frapper à 30 mètres, etc. Ouais, ok. Daniel. Hey, le gardien. Je viens de Bordeaux, les gars. Oh, Bordeaux. Je vais pas te mentir, Bordeaux, c'est dégueulasse. Hein. Non, tranquille, en vrai, Bordeaux, je connais pas, frère. Moi, je viens de Toulouse, les gars. Daniel, oui, sans commettre de faute. Oh, il y a faute. Et je cherche des huîtres pour me casser vers les côtes syriennes. Ouais, ok. Ben, je peux pas t'aider, frérot, vais pas te mentir. Hein. J'ai pas de bateau, moi, je vais pas te mentir, frérot, moi, je suis... Bon, y a pas la mer à Toulouse. Eh les gars, y a pas la mer à Toulouse.
Moi j'habite juste à côté de la Belgique. T'habites à côté des bouffeurs de frites. Des buts de quoi? Des bouteurs. T'habites à côté des bouffeurs de frites. Ouais. Mais moi je bouffe bien des frites. Hein. T'es toulousain? Ouais, je suis toulousain. Pourquoi? S'il vous plaît, c'est énorme ça. Un but. Pourquoi c'est énorme? Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Oh là 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 là, le retour du GOAT. Le but du maintien. Voilà. C'est un but qui vient redonner vie à cette équipe. Parce que réussir, c'est pas évident. Mais Lukaku, j'ai pas compris ce qui était énorme. Sauter des lignes, passer directement de la défense à la pointe de l'attaque. Et c'est après moi. Pragmatique, peut-être même un peu simpliste, mais c'est légitime et ici c'est très efficace. Un centre bien détourné. J'ai un ami de Toulouse qui m'a aidé à me réfugier en Colombie il y a 2 ans. Ok. Non mais lui il se croit pour un aventurier, c'est pas possible. Frère, il se croit pour l'américaine, tu sais qui ce qui va dans les. Ouais. Voilà, il se croit pour je suis une légende. Prison Break, le truc, il s'évade. Frère, c'est Daniel, c'est Brian. Ah, le génie, il est blessé. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et en gros, qu'est-ce qu'il voulait faire en Colombie, frérot? Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Et les gars, vous êtes pris le but lorsque je suis parti? Ouais. Daniel. Ce n'est pas une blague, les amis. C'est Carotte qui a été mauvais. Putain, on s'est fait carotte. Non, Carotte. Non, Carotte. Ce n'est pas une blague, les amis. T'inquiète, on te pointe quoi? Attends, je vais juste voir le ralenti parce que moi, je vois pas le match. Mon gardien, il fait 2 mètres, il a pas sauté. Du coup, si tu fais 2 mètres, t'as moins de détente, si t'as moins de réactivité. Du coup, faut que je te mette à 1m94, c'est bien. Mais si, j'ai 94. J'ai construit des maisons et. Mais logiquement, t'as 60. Les plages, 2 mètres, normalement, t'as 80. Ah, okay. Moi, j'ai 80. J'ai 94 de détente parce que j'ai mis beaucoup de points en détente. Mais sinon, normalement, tu dois avoir 84 un maximum. Détente, c'est pas beaucoup. Faut avoir de la détente. T'es payé ou pas? Carotte, la détente, c'est ce qui peut te faire plonger bien. Nous sommes dans les genre, t'es détendu, ton bras, il est très détendu. Bonne intervention. La passe est le prochain pays est le Pérou. Frérot, tu crois trop. Je suis désolé, frérot, mais un jour, tu vas te faire choper, mon gars. Tu vas partir en garde, d'avant mon pote. Mais attends, mais sinon, il a écrit, je construis des maisons en huîtres sur toutes les plages d'Amérique du Sud. Le prochain pays, le Pérou. D'accord, le mec, oui. Oui, je suis payé. Non, mais là, c'est chaud. Le ballon est récupéré. Non. Hey, mon pote, il est payé à construire des maisons en huîtres. Voilà, frérot, et le mec il doit gagner 1 centime par heure. Hein. Ah, tu gagnes combien par heure si c'est pas personnel? J'avoue, si tu en plus, si tu le dis, tu vas te faire courser par le FBI et tout, non? Bah, allez, le FBI, bah, attends, j'avoue, là il est en Amérique du Sud. Et ouais, du coup, il est à Bordeaux. Non, regarde, il a dit je construis des maisons. Oui, non, mais au début du live, il a dit qu'il était de Bordeaux. Évidemment, du coup, Carotte, t'arrêtes après là. Ouais, je vais arrêter. Non, reste. Je vois comment c'est. Bois 8 verres de coca, il y a de la caféine. Comme ça, ça va faire 8 verres de coca. Après Féro, tu vas lâcher le rot de ta vie, je vais pas te le mentir, mais bon. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Il y a eu la prise de base. La dernière maison que j'ai construite était en Mexique. J'ai touché 230
230 000 euros. Ah ouais frère, t'es payé. Bah voilà, vie par heure. Par heure ou par mois sur cette bonne. Non, je pense là c'est pour c'est par dizaine d'années. Parce que si il dit par heure, frère, il gagne plus que Elon Musk. J'avoue. Ça paye, il gagne 90 000 euros par heure. Elon Musk. Ouais, non mais frère. Non, par maison construite. Par maison construite, frère. Donc ça veut dire que, dis-toi, s'il construit sa maison, tu fais 100 multiplié par 230 euros. Ça construit ou quoi, les gars? Ouais, désolé, putain, il m'a mis le mot construit. Ouais, ça recrute, frère. Ça recrute, frère. Ça recrute. Ah ouais, ça recrute, hein. Non, parce que tu es. Voilà. Ça recrute. Altman, bien sûr. Vas-y, attends, vas-y, je te l'écris de quel gars. Vas-y, il va te l'écrire dans le chat. Parce qu'il vaut mieux courir pour conquérir que courir pour fuir. C'est Kylian Jean du 81. Merci frérot. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. Allez, passe s'enchaîne, l'ouverture ne devrait pas tarder. Ramos. Azma, tu es prêt à vivre pour les minutes, j'espère. Ah, le bâtard. Et non, mais guess qu'il a marqué, guess qu'il a marqué. Non mais lui il veut payer en fait. Il est aberrant. Sinon t'es venu ici pour parler et tout, t'es venu ici pour faire un entretien d'embauche. Oh la vie, attends, il va tu vas voir un jour il va toquer chez nous. Ouais, tu te rappelles de moi, t'es qui toi? Ben il y a 10 ans on était en train de parler avec les huîtres. C'est ça, toi. On parlait d'huîtres. Maintenant je paye 90 millions d'euros par maison. Et le gardien est là. Tu recrutes à moi. Frérot, Fox pas le caca. Et là, le ballon est renvoyé sans. Je recrute comme ça. Non mais en fait, la caca, tu t'abuses un peu en fait. Là, tu dépasses les limites. Pour stopper cette offensive. Mais pas le mentir. Va manger des huîtres là, il va nous faire chier. C'est peut-être la dernière chance. Moi perso les huîtres j'aime pas parce que lorsque tu les manges ils sont vivants. Azma veut récolter des huîtres. Oh le bac. Mais arrête avec tes huîtres, te le faire avaler frérot. Quittez. Mais te faire avaler toutes les huîtres de la Colombie. Vas-y à plus frérot. Oh la session demain vers quelle heure? Frérot, demain je suis pas là, mais si vous voulez jouer. Parce que moi de 17h à 20h, j'ai mon spécifique gardien. Azma va construire sa maison d'huîtres. Hey, vas-y les gars, attendez, je reviens vers les toilettes, vite. Occupe-toi de mon live, frère. S'il parle un coin d'huîtres, je sais pas ce que tu lui fais, mais tu lui fais un truc. Carotte, t'es seul à avoir quitté mon gars. Du coup, Carotte, t'as un gardien dans la vraie vie? Ouais, arrête, je suis gardien. Pierre Tech. Merci. Allez, Kylian, viens, je vais te mettre Capi Teten. Dis-toi en futsal. Je suis gardien dans une équipe qui est en Ligue 2. Les seniors, hein, je te parle des seniors, ils sont en Ligue 2. Et en footherbe, je suis à LVE. Je sais pas si tu connais. Valenciennes. Allô. Ouais, allô. Ça va et toi? On va attendre. FF espace FC. Dis-moi comment on fait pour un bon gardien.
pour le poids et tout. Alors. Les gars, je suis là. Une fois, j'ai rencontré un pirate à un mer. Vous savez ce qu'il m'a dit, du coup, c'est bon, l'amical. Que le pirate n'était jamais fait. J'ai dit ouais pour l'amical. Attends. Donc, Lukaku, je suis désolé, frérot. Et écoute. Banbo. Tu non, peine, non, mais tes huîtres, mon pote. Et donne-moi ton adresse, je viens chez toi, je te les huîtres du monde. Argentine, Colombie, Canada, même mec, même au Canada, ils parlent pas autant de leur bouffe que de toi. Vas-y, Kylian, vas-y, lancez FC. Frérot. Même en Espagne, ils ne parlent pas autant de la paella que toi avec des huîtres. Oh non. Vas-y Kylian, rejoins là, enfin rejoins leur truc. Shiny. Ouais. Est-ce que c'est bien 76 de détente? En fait, t'as que des points gardiens toi? Place-toi frère. Ouais, j'ai mes points gardiens, ils sont tous au max. Non mais. Est-ce que t'as d'autres points que autres gardiens? Parce que si, par exemple, les passes, Les gars, parlez pas trop fort, s'il vous plaît. Pardon. Les gars, Lukaku, il est parti, donc les huîtres, on va arrêter d'en parler. Mais à max de physique. Genre, tu gardes le gardien max, mais à max de physique. Ah, c'est ce que je fais, mais... Genre, de la détente. Et de la réactivité, c'est ça? Et puis là, normalement, t'as un combo bon. Bah, j'ai 89 de réactivité et 76 de détente. Gardien, je suis 95, 88, 93, 86, 90. Ouais. Lukaku, j'ai fait l'intéressant de l'offre. J'aimerais bien signer un contrat dans Société 8. Hamza, frère, Hamza, je sais pas si c'est un vocal. Benjamin da Silva donc et Omar da Fonseca. Oh non, c'est aberrant les frères. Vous parlez d'huître alors qu'on est sur FIFA. Omar, on s'attend à un match effervescent. Prochaine fois tu vas live et Yana il va être en train de te parler. Ouais mais tu sais que moi j'adore les moules, tu vas voir ça avec Lukaku. Genre Frère, bientôt il va me dire j'aime bien manger le chien. Non, il va venir avec différents comptes. Ouais, tu sais que j'adore les moules, les huîtres. Il va mettre. Tu sais, j'ai déjà mangé. J'adore les cafards grillés. oui, le duel est remporté. Touche. Les gars, les huîtres, on va arrêter d'en parler parce que Lukaku il est parti, les frères. Bonne intervention. La passe est interceptée. Et duel remporté dans la surface. Excellente la séquence de construction. Ballon intercepté, bonne intervention. Au nom de Lukaku, il a refait match Rumi. C'est dégagé et donc attention, corner. Eh ? Moi c'est l'inverse. Ah, il a détruit ta journée. Ah frérot, il m'a cassé la tête avec ses huîtres. Voilà, je rêvais, au lieu de dire un mouton, deux moutons, je veux dire une huître, deux huîtres, trois huîtres. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Oh, et voilà, un ballon par oh non frère, ce soir, quand ma mère elle va me dire... Eh les gars, quand je vais aller manger ce soir, et que ma mère elle m'a dit t'as pris quoi, mais t'as des huîtres, des pâtes. Un centre dans la surface. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Parce que t'as pas encore mangé là ? Si, mais des fois je descends pour manger. Toi tu fais le ramadan en fait. Ah, y a de l'espace sur le côté. Ouais, en fait tu vois moi je suis un... Non, je voulais pas tirer le merde. En fait tu graves pas la fournée et le soir tu divalises les placards. C'est ça. C'est clairement ça. Le gros, tu vas voir, le matin, il va avoir 4 pots Nutella, avec des tranches, 4 bananes, 3 steaks hachés, tu vas voir, tu vas ouvrir le poêle d'un machin, il va voir le frigo, il va voir le frigo avec une poêle d'un machin.
Il va être en train de tirer, il y aura le barbecue, il va voir le barbecue dans ma chambre. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Oh non, il n'y a pas vraiment de l'adversaire avec ce hors jeu, la passe était belle, trop belle. Non, refait, non, bref, regarde, il m'a refait ma journée. Il va avoir une Twingo comestible à avoir mangé, mon pote. Le ballon sort en touche. Voilà. Oh, il est vraiment trop débile de pas avoir roulé. Ah, il peut conclure. Super l'intervention. Dans les bras du gardien. Donc là, tu sais, en fait, là, je suis en train de bouffer des maltésers. Ousmane. Wow. Bientôt. Wow. Allez, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ça raconte quoi? Ah ouais. je comprends rien. T'aimes la couscous? Le ballon est dégagé. Comment ça c'est haram le couscous? Et cette frappe sur la barre transversale. T'aimes le porc? Rien du tout, hein. Sur son coup. Et tu sais que le porc, et je te jure c'est vrai, il y a de l'énergie dans le porc et il a vite ma mère. Quand moi j'en mange, je passe au sujet. Et alors frérot, dans les porcs ils mangent leur, enfin les cochons ils mangent leur caca, frérot. Non, c'est pas ça. Tu sais ce que j'ai fait moi un jour, mais c'est vrai en plus. J'ai acheté du gibier. Et oh non, je l'ai laissé sécher dans mon garage et puis après frère, quand je l'ai coupé. Comme TK quand tu manges des hamburgers. Ouais. Non, je parle pas. Ah. T'es mignon. T'habites où? Et Jeffrey Dahmer carrément. T'habites dans le 13. Il habite chez lui, soit logique. T'habites dans le 13. Beach, c'est il le ballon qui est récupéré. Tu connais pas le 13? Ah, le département. Les PD, Marseille. Ah voilà. Abbé. Ah toi t'es un fou toi. Ah toi par contre tu vas être bonne de la chaîne hein. Ah toi tu vas te faire virer toi. Toi tu vas te faire virer toi. Ah voilà. Merci Vincent. Kylian Mbappé. Non, sérieusement, écoute. Il faut que je te demande un truc. Tout le monde me casse les couilles avec ça. On décore Didier Deschamps. Il est plus non, fort que... Non, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi, vraiment. Il est plus fort. Attention à cette passe. Il est plus fort que Zidane. Oui, mais non, ça ne profite pas, en fait. Didier Deschamps, il est plus fort que Zidane en tant que sélectionneur. Et la frappe part bien. Et voilà, cette action se finit de manière assez... Ouais, oh frère, on dirait qu'il sort d'une chicha, le pote. Regrettable. Oh non. À cette distance, ça doit faire but. Mais oui, bien sûr, Zidane, il est merci Didier. Oh les gars, non, c'est bon, on arrête de parler de ça parce que... Sinon, mais j'avoue, frérot, ça va recréer des trucs comme dans la fin, là. Attends, chef. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Les frères, évitez d'insulter s'il vous plaît en live. Au calme. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ouais les gars, vous savez. Ouais chef.
les meufs qui travaillent pour les huîtres. Moi je suis pour les gens qui travaillent pour les huîtres. Les meufs qui travaillent comme les hommes. Mec, tu me casses les couilles toi avec tes huîtres. Oh non. Passe chef, passe chef. C'est peut-être moi. Chef. C'est peut-être moi Lukaku. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Oh, pas rentre. Oh. Si tu veux pas que Lynch charne dans ton cul, tu te calmes. Non, désolé. J'ai des pulsions, calme. Le ballon circule très bien en attendant la faille. Non, frère, les gars, on a pas qu'à 0-0 alors qu'ils sont un peu éclatés. On est dans une vocale de baiser. En une heure, on a qu'une vocale de baiser. T'as un type, tu sais même pas ce qu'il dit. Heureusement que je la touche du bout des doigts, parce que je parle pas de toi. Y en a un dans le live, il parle que d'huîtres. C'est moi. Non mais arrête, t'es embouché comme ça, frérot. Normalement ça c'est faute, hein. C'est qui regarde Adem et Bilal 24h salé et sucré là? Voilà, chef. Arrête de roter, toi. Eh, on en laisse le roter si on veut roter. Le public y voit même. Voilà. Oh oui, ce but. Ta 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 ta. Quel golazo. Eh les gars, vous avez été une chicha ou quoi avant de venir? Parce que les gars, dans les chichas, vous mettez combien de charbon? Ah les gars. D'une grande beauté quand il est bien réussi comme celui-ci. Oh les racailles de Shanghai. Ouais. Ousmane. Eh Ousmane, il parle pas, frère. Ah, j'ai le moyen de baguer dans les murs, oui. Ousmane, ça se voit, il se fait une bonne... Ça se voit, Ousmane, il se fait une bonne chicha, là. Chef. Ouais, c'est toujours plus, lui. Ah non, c'est un ballon perdu, là-dessus. Sors le goal. Non, les doigts. Vas-y, j'avais d'aller au terrain, tu vois vraiment. J'avais d'aller au péno. Y a pas de péno au match amical. Si, Blaireau. C'est sûr. Ok, je laisse le but. Très bien défendu. Si tu veux, je laisse le but. Dernière minute maintenant de la rencontre. Allô, Kylian, tu laisses un but ou pas? Vas-y. Comme ça, on va au péno. Vous êtes vraiment sûr, hein? Ouais, parce que là, je suis cap, hein. Bah ouais, je suis sûr. Mais si on commence à analyser les passes, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de passes de défense, de protection et passe pas le violet. De déséquilibre, ouais, de pénétration. Difficile d'aller marquer dans ces conditions. Ouais, là on est 5. Ah, mais d'abord, tire. Là, tire petit, tire. Et la bonne intervention pour récupérer. Avantage, l'arbitre laisse jouer. L'arbitre revient à la faute, ça sera donc un coup franc. Carton jaune. Pour qui? Le goal, il a pris un carton jaune. Et nous voici dans le... Allez, moi je vais vous laisser un but sur ce coup là au moins. Ah, je tirais, hein, je vous laisse un but carrément. Ah non, Mbappé, passe. Passe. S'il te plaît, mec. Passe. Voilà. Vas-y marche. Ouais. Peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. Joué. Nice. Et avec ce but, score de parité 1 partout. On dit un jaune, frère. Bon, les gars, je crois que les gars, ça les a remis en confiance. Faut faire gaffe. Ah là là. La mauvaise passe.
Et le pressing pour empêcher la relance. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Attention sur ce tir. Oui, Kylian. Attends, Kylian, tu laisses un but encore. Non, vas-y, tranquille. Non, mais parce qu'on est à 84ème quand même. T'inquiète, laisse-les faire. T'es sûr que tu veux pas que je laisse un but, hein? On va voir si... On va voir s'ils sont forts. Ouais, non, ils sont éclatés, je sens. Quelques minutes à jouer, le suspense est garanti. Prends la question de pas jouer solo, s'il te plaît. Nickel. La prendre de goal, là, tu vas perdre bêtement. Ce sont les derniers efforts pour remonter au score. Est-ce que ça va suffire? Ah, c'était bien parti, mais je derrière, je derrière. Perdu, finalement. Ah, le gardien en grande difficulté. Passe. Là. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Hey. Ah, le pressing est haut. Attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit. Le danger est éloigné. Voilà, c'est annoncé. Écarte-toi, écarte-toi. Une petite minute de temps additionnel. Et le but ! Mais c'est un but contre Vous êtes tous allongés, c'est comme des cons. Un cauchemar, et c'est un grand chef passe. Moral. C'est terminé. L'égalité parfaite donc à la fin du temps réglementaire. J'ai le bug d'ami, j'ai le bug d'ami. Dis à ton pote de t'inviter. Vas-y, même si ça les prolonge, quitte. Non, on quitte pas. On quitte pas, les gars. Et le match reprend, l'arbitre. Mais frérot, on peut faire les pénalties. Bah pourquoi on est en prolongation, Google? Bah, sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Pourquoi on est en prolongation? Ouais, joli passe lobé, mais attention. Bah oui, il y a. Bah oui, sans souci. Ah, la passe est complètement loupée. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Fais partir. Oui, bonne vision. Bien fait. Avec cette passe. Voilà une frappe à vite oublier. Frapper fort, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. Il y a cette volonté collective de s'imposer dans ce match. Ah là là, la faute, l'intervention, le tag, c'est un peu violent tout ça. L'équipe adverse, est-ce que vous êtes dans le live? Si oui, décalez votre goal. Le ballon sort, c'est une touche. Et l'action se poursuit dans le camp adverse. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Oui, attention à ce ballon là. Ah, la frappe, ça part bien. Oh, je vais éclater la main, mon pote. Très bonne lecture de la frappe. Ah, bah, vas-y, passe. Direct, direct. Nice, mon frère. Oui, à deux, c'est bien fait. Tiens. Ouais, bien joué, ça circule bien. Excellente intervention, ça sort en touche. C'est une remise en jeu à venir. Ah. Payant. Et voilà un ballon parfait. Chandelle, chandelle, chandelle. Voilà mon frère. Même s'il n'y a personne. Et ça y est, c'est donc la fin de cette première mi-temps de la prolongation. Et les équipes toujours à égalité.
Les gars? Ok, non, c'était pour savoir si vous étiez là. Oh, elle les fout droit 100 fois si on veut, mais là on a un fil de repé, non? Premier ballon dans cette seconde période des prolongations. Vas-y, mais. Oh, elle est belle ta passe. Qui s'offre à lui. Non, pourquoi il a pas permis ce con? Mais pas comme ça en fait. Ouais, le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Voilà, tir direct. Oh, tu m'as fait peur la pompe. Bien défendu, le ballon est récupéré. L'enjeu est important, le moment aussi, il faut aller chercher le but décisif. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Le centre dans la boîte, et hop, le danger est écarté. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. La contre-attaque fait mal à la défense. Bien anticipé, le ballon est intercepté. 5 minutes à jouer encore dans cette deuxième partie de la prolongation. Kylian. Ballon pour une frappe. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Wesh, frère, oh non. Il prend sa chance de loin. C'est impossible que ça rentre dans l'allée pour shooter. Défensive, le ballon en touche. Les gars, par contre, si on arrive au péno, ne me dis pas où plonger, ça me stresse. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Ok, chef. C'est bon, on y est au péno là. Et c'est donc terminé les deux équipes. Allez, les gars. Dans cette séance. Et voilà, parfait. Let's go. Oui, ça paraît même facile. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait. On dirait que la pression l'a pris le dessus. Et la oh non, la tire. Oh, oui, le tir de merde. C'est un arrêt important, ça. À droite. Le poteau, et c'est donc manqué. Le ballon ressort, pas de chance. Voilà. Le ballon vient frôler le poteau. À ras des terres, comme ça, c'est quasiment... On a gagné, les gars, on a gagné. À gauche. Et ah non. Voilà, c'est au fond. Il n'a pas tremblé. On n'a pas gagné, les gars, on n'a pas gagné, quoi. On n'a pas gagné. Oui, c'est yeah. On a gagné. C'est au tir. Non, l'arrête pas, s'il te plaît. L'arrête pas. Pourquoi tu l'as arrêté? Je me suis décalé exprès. Superbe, il a bien géré la pression. Je me suis décalé exprès. On se remet ça, les gars. On se remet ça, d'accord. Sinon, c'est qui a essayé de recréer Mbappé? C'est moi. Vas-y, les gars, on se remet ça. Hein. Oh, moi, je suis chaud. Les gars, ils veulent pas de revanche, ils ont peur. Non, c'est faux, c'est fou, arrête. Non, c'est faux. C'est bon, je t'ai accepté, frérot. Mais qui a dit qu'ils voulaient pas qu'ils avaient trop peur? Placez-vous tous, vite.
Ouais. Je peux pas, c'est match trouvé. Les gars, on quitte ou pas? Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. La team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. Ça va être un plaisir de vivre ce match important. Et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Et voilà! Yann, t'as quitté ou pas? Non mais je parle à qui, Yann? Le goal, mais quand? Il manque à qui, les gars? Mais 87 les gars, franchement. Ouais, t'es qui toi, putain? Et qu'est-ce qu'il avait à tripoter comme ça? Laisse-moi. Tu posais une question, petit pervers. Enculé de petit pervers, pauvre merdeux, enculé de pervers. Fous-lui la paix. C'est bon, dégage. Oh les gars, acceptez, vous avez peur ou quoi les frères? Ça y est. Vas-y, placez-vous les gars. Osman, mes caps, s'il te plaît. Merci chef. Ah, ils veulent plus faire d'amical. J'ai dit ça. Ils ont peur. Mais t'as un mytho, y'a aucun chat. Ils veulent pas en faire. Ils ont. Quand je marque club, ça marque. Introuvable. Thank you.
salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Au commentaire de ce match, c'est donc moi, le jeune Benjamin Da Silva, et c'est donc lui, le moins jeune, Omar Da Fonseca. Impossible de penser à autre chose aujourd'hui. On a hâte que ce duel commence. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime. Ça s'annonce très bien. Et encore un nouveau match à vous proposer. Mais un match de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense toujours garanti. Ah non, il est perdu ce ballon. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Tranquille pour le gardien. Et c'est bien donné dans la profondeur. Oh, voilà, 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Sauter des lignes, passer directement de la défense à la pointe de l'attaque, c'est une conception du football très pragmatique, peut-être même un peu simpliste, mais c'est légitime et ici, c'est très efficace. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Abbé. Ouais, l'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. Excellente couverture de balle. Un bon pressing et ballon récupéré au milieu de terrain. Abbé. Oh, c'est sur la barre. Et c'est sans danger. La défense va pouvoir relancer. Ah, il prend sa chance de loin. Bonne intervention du gardien. Coup de pied arrêté, joué dans le temps. Allez, il faut lever la tête maintenant. Un centre dans la surface. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ah, le long de la ligne, il profite bien des espaces. Tu l'as le goal, tu l'as le goal, tu l'as. Voilà. Par le gardien. Touche à venir. Et ce ballon est récupéré. Allez, faut essayer d'aller provoquer la défense. C'est j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais si, j'ai le choix, connard. Ah, y a un bon pressing, avec quelqu'un à côté de toi. Boum. Boum. Le gardien s'en saisit, c'est bien joué. Et les gars, excusez-moi pour le butin. T'inquiète. Ouais, c'est un pressing efficace. Et oh non, frère, comment il capte ça, ce PD de merde. Avec Osman. L'attaque se poursuit, balle au pied. Le centre dans la surface, il y a du genre, mais genre, mais le permis n'existe pas, les gars. Bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Eh oh non, frère, vu péter sa grand-mère la chienne. Et c'est une remise en jeu à venir. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Et attention à ce centre. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Et tu sais que t'as pas tu ça passe ça. Excellente intervention, le ballon est récupéré. Y'a quoi? Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Mais. Ouais, il y a faute sur moi. Et la bite ma mère, quelqu'un va avoir un coup franc, mon pote. Mais leur mettre un extérieur du pied, ils vont rien comprendre. Et duel remporté dans la surface. On le voit, l'équipe locale n'a pas la possession. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir le ballon tout le temps pour être dangereux.
Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire quand tu te retrouves avec le ballon dans tes pieds. C'est l'intelligence de la passe et du déplacement qui compte. Hey, il faut dire l'aider, là. Ouais, c'est sûrement l'arbitre siffle un petit peu. J'ai été tué. Pas assez de concentration sur cette passe. En plus, ils font des passes dégueulasses. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Très dommage. Ça me casse les couilles, frère. La sensation de danger était présente dans cette action. La passe était prometteuse, mais la course était précipitée. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. Les gars, il n'y a pas d'enjeu. Ouais, c'est bien joué. Au deuxième poteau, quelle intervention absolument décisive. Il n'y a plus d'enjeu du coup. Ah, c'est récupéré, mais maintenant il faut vite se dégager. Et le gardien s'illustre bien. Oui, bien défendu. Un tir brossé et qui est finalement complètement raté. C'était bien la peine de s'appliquer, de placer son corps correctement. Le ballon passe loin du but. Et la récupération du ballon. Le ballon circule bien. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. J'essaie de la passer pourtant, mais j'y arrive pas. Mais putain. Direction les vestiaires. Les gars, les frérots, c'est une fin de live. Moi, je vais partir me coucher.